Alors, mes petits journalistes, qu'est-ce qu'une phrase interrogative? La phrase interrogative sert à poser des questions et se termine par un point d'interrogation. Les mots interrogatifs, on a qui, où, ou bien d'où, que, quel, comment, pourquoi, combien, etc. Exemple. Qui est là? Qui a mené l'interview? Qui a mené l'interview? Ici, on s'interroge sur la personne. Quel âge as-tu? Vous avez quel âge? Tu as quel âge? Ici, on s'interroge sur l'âge. Quelle heure est-il? Quelle heure est-il? Ici, on s'interroge sur l'heure. Où es-tu? D'où viens-tu? Ici, on s'interroge sur le lieu. D'où es-tu venu? Quand est-ce que tu es arrivé? Quand est-ce que tu es arrivé? On s'interroge sur le temps. Que s'est-il passé devant le lycée? Que s'est-il passé devant le lycée? On s'interroge ici sur le fait. Combien de blessés a provoqué l'accident? Combien de blessés a provoqué l'accident? Ici, on s'interroge sur le nombre de blessés. Comment s'est déroulé l'accident? Comment s'est déroulé l'accident? Ici, on s'interroge sur la manière. Pourquoi tu as quitté le Maroc? Pourquoi tu as quitté le Maroc? Ici, on s'interroge sur les causes. Les raisons. Alors maintenant, à nous de s'exercer un petit peu et de s'entraîner. Formule quatre phrases interrogatives dont chacune porte sur l'un des éléments soulignés dans la phrase suivante. Formule quatre phrases interrogatives dont chacune porte sur l'un des éléments soulignés dans la phrase suivante. On a une fille de 16 ans a été piégée hier sur Internet. Une fille de 16 ans a été piégée hier sur Internet. Alors, une fille de 16 ans a été piégée hier sur Internet. Alors, pour trouver une fille, quelle est la question qu'on va poser? C'est qui? La question. Qui a été piégée hier sur Internet? Qui a été piégée hier sur Internet? La réponse, une fille. Maintenant, la question qu'on va poser pour trouver 16 ans. Quel âge avait cette fille? Quel âge avait cette fille? Elle avait 16 ans. Elle avait 16 ans. Maintenant, la question qu'on va poser pour trouver hier. C'est quand? Quand est-ce que la fille a été piégée? Quand est-ce que la fille a été piégée? C'est hier. Maintenant, sur Internet, la fille a été piégée hier. Où il a été piégé? Alors, où était-elle piégée? Où était-elle piégée? Sur Internet. Le lieu, c'est l'Internet. Alors, j'espère, mes chers, maintenant, que vous pouvez formuler et produire des phrases interrogatives pour votre interview maintenant. Dans la prochaine séance, Inch'Allah, on va essayer de s'exercer ensemble. En attendant, à bientôt.